Bonjour les loulous! Alors, j'espère que vous allez toujours très bien et que vous êtes en pleine forme pour travailler un petit peu avec moi aujourd'hui. Donc, nous allons commencer par faire un jeu qui ressemble un petit peu au prince de mots tordus. Vous vous souvenez du prince de mots tordus? C'est un prince qui changeait des mots pour des autres. Par exemple, il ne disait pas qu'il habitait dans un château, mais il disait qu'il habitait dans un chapeau. Vous en souvenez? Il confondait des mots. Alors, nous, on va essayer de faire la même chose. Je vais vous dire des phrases, et dans ces phrases, il y aura un mot qui ne sera pas le bon. Et donc, c'est un mot où il faudra changer des sons dans le mot pour trouver le bon mot. D'accord? Vous êtes prêts? Alors on y va. Si je vous dis, il habite dans une grande file. Il habite dans une grande file. Eh oui, il fallait changer file en ville. Il habite dans une grande ville. C'est bon? Vous avez compris? Oui? Alors on est concentré et on continue. Maman me donne un fer d'eau. Ben oui, maman me donne un verre d'eau. On compte. Un, deux, droit. Ben non. Un, deux, trois. Bravo. Le fermier travaille dans son champ. Vous avez raison. Le fermier travaille dans son champ. La tordue a une carapace. Mais oui, c'est la tortue qui a une carapace. Le lapin mange des carottes. Oh, le lapin, il mange des carottes. C'est rigolo, une trombe d'éléphant. Mais oui, c'est rigolo, mais une trompe d'éléphant. Le train s'est arrêté à la gare. Ah, oh, bah oui, on dit pas car, on dit le train s'est arrêté à la gare. C'est bon? On continue? Vous en voulez encore un petit peu? Alors on continue. J'en ai encore, vous inquiétez pas. Pour effacer, on prend une comme. Bah non, pour effacer, on prend une gomme. Je voudrais une glace au chocolat. Vous aussi, vous en avez envie d'une glace au chocolat. Le sien a aboyé toute la nuit. Ah oui, c'est le chien a aboyé toute la nuit. La neige est blanche. Oh non, la neige est blanche. Bravo. Et le dernier, il s'est coupé, il y a du champ. Ah non. Il s'est coupé, alors il y a du sang. Oh là là, vous êtes très fort. Vous pouvez essayer d'en trouver tout seul des petits mots comme ça qui changent dans la phrase. Alors maintenant, c'est l'heure de compter. Et aujourd'hui, nous allons compter à partir d'un album qui parle de petits amis qui déménagent, c'est-à-dire qu'ils vont d'une maison à une autre maison. Mais à chaque fois, ils n'y vont pas tous en même temps. Donc, il faudra les compter. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors, on y va. C'est parti. Alors, nous allons lire une histoire qui parle de petits amis qui déménagent et qui vont d'une maison à une autre. Et au départ, il y en a 10. 10. Petits amis déménagent.
nous allons à chaque fois compter le nombre de petits amis qui sont restés dans la maison et en déduire le nombre de petits amis qui sont partis de la maison, donc qui ont déménagé dans une autre maison. D'accord ? Alors, ils habitent cette maison-là, regardez le toit, quelle forme il a. Ils vont déménager dans cette maison de droite. Cette maison de droite, vous voyez comment est le toit. Voilà, c'est ce toit-là. Et donc, ils vont déménager dans cette maison-là. D'accord ? Vous êtes prêts ? Alors, c'est parti. Il y a 10 petits amis à chaque fois dans la maison, mais on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, si ils sont tous dans la maison, ça veut dire que aucun n'a déménagé, puisque les 10 sont tous dans la maison de gauche. D'accord ? Donc, aucun n'a déménagé dans la maison de droite. C'est bon ? Vous avez compris ? Alors, maintenant, c'est vous qui allez les compter pour me dire combien ont déménagé dans la maison de droite. Seulement, moi je montre et vous les comptez. Combien vous en avez compté ? Il en reste 9. S'il reste 9 petits amis dans la maison de gauche, combien de petits amis ont déménagé ? Puisqu'au départ, ils étaient 10, à votre avis. S'il m'en reste 9, ça veut dire que... Bravo ! Un petit ami a déménagé. D'accord ? Alors, on continue. Je montre et vous comptez. Au départ, vous en souvenez, ils étaient 10 petits amis dans la maison. Combien il reste de petits amis ? Bien, il en reste 8. Donc, sur les 10 petits amis, combien ont déménagé dans la maison de droite ? À votre avis, au départ, j'avais 10 petits amis dans la maison. Là, vous avez compté qu'il en restait 8, ce qui veut dire que, bien, 2 petits amis ont déménagé. On vérifie, bravo, 2 petits amis ont déménagé. On continue ? Allez, je vous montre pour compter toujours avec vous. Au départ, ils étaient 10 petits amis. Comptons combien il en reste. Alors, bien, il reste 7 petits amis. Par rapport aux 10 petits amis qui étaient au départ, qui habitaient la maison, combien de petits amis ont déménagé ? S'il en reste 7 dans la maison, cela veut dire que... Allez, on cherche, on utilise ses doigts. Bien, cela veut dire que... 1, 2, 3 petits amis ont déménagé. Alors, je vais vous donner un petit truc. On a de la chance parce qu'on a 10 doigts. Sur chaque main, on en a 5. 5 et 5, ça fait 10. Alors, au départ, ils étaient 10 petits amis. Donc, j'ai tous mes doigts. Si on compte qu'il ne reste que 7 petits amis dans la maison, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cacher 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien il reste de doigts ? Eh bien, les 3 doigts qui restent, c'est le nombre de petits amis qui ont déménagé. Parce qu'au départ, ils étaient 10. Et il y a bien 3 petits amis, d'accord ? Parce que 7 et 3, 7 plus 3 égale 10, ou 7 et 3 font 10. On continue ? Là maintenant, je vous laisse compter tout seul combien il y a de petits amis dans la maison. Vous comptez ? Vous avez trouvé ?
Bien, il reste 6 petits amis dans la maison. Donc, par rapport aux 10 petits amis du départ, combien ont déménagé dans la maison de droite, à votre avis? Alors, bravo à ceux qui ont trouvé 4. 1, 2, 3, 4 petits amis ont déménagé. Ils étaient 10 au départ. Dans la maison de gauche, on n'en voyait plus que 6. Ce qui veut dire que 4 petits amis ont déménagé. Parce que j'ai 4 doigts qui sont repliés. D'accord, mais il y en a qui peuvent aussi compter dans leur tête, comme à l'école, hein. Allez, on continue. Comptez-moi le nombre de petits amis qui restent dans la maison. Bien, il en reste 5. Au départ, ils étaient combien à habiter la maison? Oui, au départ, ils étaient 10 à habiter dans la maison. Il n'en reste que 5. Ça veut dire que combien de petits amis ont déménagé dans la maison de droite? Ben oui, on vérifie. Je pense que c'est ça. Et bravo à ceux qui ont trouvé 5. 1, 2, 3, 4, 5. Au départ, ils étaient 10. Dans la maison de gauche, il n'en restait que 5, ce qui veut dire que 5 ont déménagé. 5 et 5, 10. On continue. Combien il reste de petits amis dans la maison de gauche? Oui, il en reste 4. Vous les voyez, les 4? D'accord. Alors, à votre avis, combien de petits amis ont déménagé dans la maison de droite? Je vous rappelle, ils étaient 10 au départ. S'il n'en reste que 4 dans la maison de gauche, combien ont déménagé dans la maison de droite? Oui. Ah, j'entends 6. On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo! Ils étaient 10 au départ. Ici, 4 seulement sont restés dans la maison de gauche. Donc, si 4 sont restés, sur les 10, voilà, j'ai 5 et un doigt, ça fait 6 doigts qui sont pliés. Ce sont les 6 petits amis qui ont déménagé. D'accord? Allez, on continue. Combien vous voyez de petits amis? Il en reste 3. 3 petits amis sur les 10 petits amis du départ. Donc, combien de petits amis ont déménagé dans la maison de droite? J'avais 10 petits amis au départ. 3 sont restés dans la maison de gauche. À votre avis, combien de petits amis ont déménagé? Bravo! Normalement, il doit y en avoir 7. On compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bravo! 3 plus 7 égale 10. Allez, on continue. Ils étaient 10 petits amis dans la maison de gauche. À votre avis, comptez le nombre de petits amis qu'il reste dans la maison de gauche et combien ont déménagé dans la maison de droite? Ouh là là, mais vous êtes fort! J'en entends! Très bien! 8 petits amis ont déménagé dans la maison de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 et 8 font 10, ou 2 plus 8 égale 10. Ah, j'avais 10 petits amis dans la maison. Oh, il ne m'en reste plus qu'une. Combien de petits amis ont déménagé dans la maison de droite? Eh oui, à mon avis, je pense comme vous. Et on va compter pour vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits amis ont déménagé parce que 1 et 8
et 9 font 10, où 1 plus 9 égale 10. Et là, combien, j'avais dit petits amis dans la maison de gauche, combien de petits amis ont déménagé ? Aucun. Donc, aucun, ça veut dire que 0 petits amis ont déménagé. La maîtresse dit des bêtises. Aucun petit ami sont restés dans la maison de gauche. Ça veut dire que 10 petits amis ont déménagé. Oh là là, je commence à fatiguer moi. Très bien, on vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que 0 et 10, ça fait 10. Ou alors 0 plus 10 égale 10. Et voilà, ils ont tous fini par déménager. Eh ben, ils en ont mis du temps à déménager, hein, nos petits amis. Bon, maintenant, on va se reposer un petit peu parce que c'est l'heure de l'histoire. Et alors, il va bien falloir écouter l'histoire et regarder les illustrations parce que à la fin de l'histoire, je vous poserai des petites questions pour savoir si vous avez bien compris et surtout bien écouté. Attention, je vois la magie qui arrive. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, nous allons lire un album qui s'appelle 4 petits coins de rien du tout. 4 petits coins de rien du tout. Ça va parler de quoi, à votre avis? D'un carré? D'un rond? Oui. Et d'un trou? Peut-être. Alors c'est parti. Écoutez bien et regardez bien les illustrations, hein, parce qu'après je vous poserai des questions. Petit carré joue avec ses amis. Dring! C'est l'heure de rentrer dans la grande maison. Carré ne peut pas entrer. Il n'est pas rond comme la porte. Petit carré est triste. Il aimerait tellement entrer dans la grande maison. Alors, il s'allonge. Il se tord, il se met la tête en bas, il se plie, mais il n'arrive toujours pas à entrer. Sois rond, disent les petits ronds. Petit carré essaie de toutes ses forces. Tu dois y croire, disent les petits ronds. Je suis rond, je suis rond, je suis rond, se répète Petit Carré. Mais rien n'y fait. Alors, il faut te couper les coins, disent les petits ronds. Oh non, dit Petit Carré, ça me ferait trop mal. Comment faire? Petit carré est différent. Il ne sera jamais rond. Les petits ronds se réunissent dans la grande salle. Ils discutent longtemps, très longtemps. Jusqu'au moment où ils comprennent que ce n'est pas Petit Carré qu'il faut changer,
Eh oui, c'est la porte. Et il découpe quatre petits coins. Quatre petits coins de rien du tout. Qui permettent à Petit Carré d'entrer dans la grande maison. Avec tous les petits ronds. Et oui, même si on est différent, eh bien, quand on est amis, on trouve toujours une solution pour jouer tous ensemble. J'espère que vous avez bien retenu l'histoire, hein, parce que maintenant, je vais vous poser des questions. Elle est adorable, cette histoire de Petit Carré. Vous trouvez pas? Et elle est un petit peu triste au début, mais finalement, encore une fois, c'est une histoire qui se termine bien. Mais au début de l'histoire, pourquoi Petit Carré ne peut-il pas entrer dans la maison, à votre avis? Pourquoi au début de l'histoire, Petit Carré ne peut pas entrer dans la maison? Eh oui, parce qu'il n'est pas rond comme la porte, donc il ne passe pas la porte. Et puis, dans cette histoire, il y a Petit Carré, mais il y a aussi les petits ronds. Et est-ce que tous les ronds sont pareils? Alors? Non? Vous avez raison, ils ne sont pas tous pareils. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent, tous ces ronds? Même si ce sont tous des ronds, ils ne sont pas pareils. Oui, parce qu'ils sont chacun d'une couleur différente. C'est comme si dans la cour de récréation, bah, il n'y avait que des filles. Même si ce sont toutes des filles, elles sont toutes différentes parce qu'elles ne se ressemblent pas. Ensuite, que font les petits ronds pour que Petit Carré puisse entrer dans la maison? Souvenez-vous, ils finissent par trouver une solution et Petit Carré entre dans la maison. Mais que font-ils? Eh oui, la porte était ronde, mais en faisant une porte carrée, ça a permis à Petit Carré d'entrer dans la maison. Et alors, maintenant, essayez voir de me trouver la différence entre un rond, et, je vais avoir du mal, et un carré. Vous voyez à peu près le carré. Voilà, vous le voyez. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? Ah oui, le rond, il est rond. Le carré, il est carré. Et le carré? Bien! Le carré, il a un, suivez bien mon doigt, hein. 1, 2, 3, 4 côtés. Et les 4 côtés, ils ont tous la même longueur. On dit qu'ils sont égaux parce qu'ils ont tous la même longueur. Et le carré a aussi 4 trucs qui piquent là, qui font comme ça, là où ça pique. Vous vous souvenez, ça s'appelle, ça s'appelle des coins, des pointes. Mais surtout, ça s'appelle des sommets. Le carré, il a 4 sommets. Alors que le rond, il est tout lisse. C'est un cercle. Il est tout rond. Et voilà. C'est l'heure de nous quitter. Donc, demain, c'est mercredi. Et nous, on va se retrouver jeudi. D'ici là, soyez bien sages avec papa, maman, vos frères, vos sœurs. Je vous envoie plein de gros bisous.